Les informations de Volkov confirment nos pires craintes. Perseus a fait transiter une tête nucléaire à Berlin-Est. On ne peut pas en être certain. Il l'a, c'est certain. On a trouvé des coordonnées cryptées avec les infos de Volkov. Celles d'une zone inhabitée de la République soviétique d'Ukraine. Le survol du SR-71 a révélé ceci. Je veux qu'on me tienne au courant de tout ce qui se passe dans ce bâtiment. On aura besoin des autres. Woods et Mason nous rejoindront de Kiev. Belle, tu vas t'infiltrer avec Woods. Mason et moi, on s'occupera de l'extraction. Park, des communications. On n'a aucune idée de leur nombre ni de leur niveau d'entraînement. Alors restez discrets si vous devez combattre. Il est temps de jeter un œil derrière le rideau de fer. Bien reçu, Park. Tu gères les communications. Dis à Mason et Adler d'attendre. On y va. La base se trouve juste après cette colline. Infiltrez-vous. Découvrez ce que vous pouvez. Et sortez de là. Merde, Park. Je pensais rester un moment, visiter le goulag. Tu feras ça une fois qu'on saura ce que prépare Perseus. Regarde-moi ce monstre. Je me demande ce que les rouges cachent à l'intérieur. Prends une photo, les services secrets sont intéressés. Bon, il est temps de se salir les mains. Je vois des gardes en haut et en bas. Choisis ta cible. Deux autres sortent du camion. Et ben voilà, problème réglé. Tu vas pouvoir descendre. Je te couvre d'ici. Prends des photos de tout ce qui peut être important. Cartes, plans, tout ce que tu trouveras. Avance dans la base. Нужно подкрепление!
J'ai perdu quelque chose. Park, Belle a trouvé un accès. Mais on n'a pas beaucoup de temps. Alors en avant. J'ai rien de mieux à ajouter. Des gardes en bas. Je vais en contrebas et j'attaque à ton signal. Oh, c'est bon, je suis prêt. Вижу постороннего. C'est dégagé, j'avance. Prudence, il y a peut-être une armée de cocos derrière cette porte. Couvre-moi. Et ça pourrait correspondre à n'importe quelle ville américaine.
Prends une photo de ça, mec. Merde, on se casse! S'ils veulent un exercice en suppression, ils vont être sérieux. Allez, stop! Proposons pas de la dégâts.
Cet ascenseur mène directement à la tour de contrôle. Une grenade! Plein exercice. L'endroit grouille de rouge. On cherche toujours des renseignements. Bordel. Je demande à Mason et Adler de se tenir prêts pour l'extraction. Elle a l'air furax, tu trouves pas? On dirait leur centre de commandement. Par ici. L'ordinateur central. Voyons ce que les rouges nous réservent. Belle, viens sur ce terminal. Regarde ce que tu peux trouver. Belle, regarde l'ordinateur central. Bienvenue dans les archives d'analyse de combat du peuple soviétique. Statistiques de combat urbain stratégique. Accès restreint. On s'en fout de ça. Cherche encore. Rapport quotidien du KGB. Accès restreint. Oh, ma grande passion. Y'a rien d'autre? Opération Greenlight. Accès restreint. C'est quoi ça, l'opération Greenlight? Belle, tu peux pirater ça? Fouille la zone. Les rouges sont jamais très malins. Il y a peut-être un indice sur le bureau. Je sais pas. Continue de chercher. Accès restreint. Allez, on n'a pas toute la journée. La photo du laidron, là, c'est peut-être une copine. Jolie. Berlin vient du programme Greenlight. C'est l'une des nôtres. Si ça s'ébruite, personne n'en saura rien, pas même l'équipe Adler. Les enjeux sont trop importants. C'est un euphémisme. On parle d'une bombe nucléaire américaine cachée dans les sous-sols de Berlin. Je veux être sûr de ton engagement, Hudson. Les dés sont jetés. Le plan est en marche. Si notre élément découvre la vérité. C'est maintenant que tu t'inquiètes de la vérité? Je m'inquiète de pouvoir contrôler cet élément. Si on ne peut pas contrôler l'élément, on l'élimine. Fin de l'histoire. Je prends une copie. Ça n'a aucun sens. Perseus a infiltré un programme nucléaire de la CIA. Nom de code, opération Greenlight, dirigée par Hudson. La tête nucléaire volée est américaine, et Hudson était au courant. Merde, on fout le camp. Mal. Foutez le camp de là.
Ouvre-moi! Woods, Bell, où vous en êtes? C'est de pire en pire! On doit être sûr qu'Adler et Mason pourront nous extraire à l'endroit prévu. Cette sortie. Les enfoirés bloquent la sortie. On va devoir se frayer un chemin. Ouvre-moi. Ah, un autre tourneau est arrivé.
je suis ici. C'était trop compliqué de s'occuper de la signalisation. Ah, je suis à la Oui, je m'en occupe. Je savais que la bombe venait de Greenlight et t'as rien dit! Qu'est-ce que tu nous caches d'autre? Je peux peut-être te faire cracher le morceau. Je te le déconseille, Woods. Que tout le monde se calme. C'est pas en vous hurlant dessus qu'on va trouver Perseus. Pourquoi avoir caché que c'était une bombe américaine? Il avait besoin de nous pour nettoyer sa merde. Cet enfoiré nous ment à tous depuis le début. J'ai pas menti. J'ai omis quelques faits. C'est ton grand truc, pas vrai, Hudson? Manipuler les gens. Arranger la vérité à ta sauce. Y a pas de vérité. Tu choisis de croire qui tu veux. Adler en sait quelque chose. Pas vrai, Russ? L'opération Greenlight. C'est quoi? Raconte-nous tout. En 58, la course aux armements battait son plein. Eisenhower pensait que si les Rouges envahissaient l'Europe, on ne pourrait pas riposter. D'où la fameuse opération Greenlight. Un programme top secret qui consistait à placer une bombe nucléaire dans chaque grande ville européenne. La contre-mesure ultime à l'invasion soviétique. En 1974, elles ont fait place à de puissantes bombes à neutrons, capables d'exterminer la population sans endommager les infrastructures. Des milliers de morts d'un coup. Et toi, tu nous parles de putain d'infrastructures? On voit où sont les priorités. On tue les gens, mais on sauve les bâtiments. Le but, c'est de préserver notre mode de vie. Depuis quand tu sais pour la bombe manquante? Une des bombes a été désactivée il y a 8 semaines. On soupçonnait Perseus, mais sans avoir de preuves. Jusqu'à ce qu'on voit les photos rapportées de Berlin-Est. Donc, on a une bombe nucléaire américaine disparue. Et quand Perseus la fera sauter, les États-Unis deviendront l'ennemi mondial numéro 1. On n'en serait pas là aujourd'hui si t'avais fait ton boulot et tué Perseus au Vietnam. La prochaine fois, Hudson, je laisserai faire Woods.